Les copains, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du jeu à gratter des abonnés. Et aujourd'hui, on va réaliser la demande de deux abonnés. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. On va réaliser une première demande de la part de Naïma Milou qui nous a demandé de gratter un millionnaire accompagné dans mon croisé 10. Donc les voilà. Et ensuite, on va réaliser la demande de Kéture 58 qui nous a demandé de gratter un millionnaire accompagné d'un mon croisé 10 et d'un méga goal. Donc tout est là. C'est une session full jeu à 10. J'espère que ça va vous faire plaisir, les copains. Et du coup, si toi aussi tu veux participer au jeu à gratter des abonnés, c'est tout simple. Il suffit de me laisser ta demande de jeu à gratter dans les commentaires. Il n'y a aucune limitation au niveau du montant. Et si je gagne un gars super héros égal à 50 euros en un ticket, je fais gagner à l'abonné correspondant une carte cadeau de 15 euros. Voilà, les copains, c'est parti. On a 5 jeux à 10 pour la session. 2 mois 10. Pardon, 2 millionnaires, 1 méga goal. Donc j'espère de tout cœur que ça va vous faire plaisir, qu'on va faire péter un maximum de gains. Et du coup, on va commencer. On va commencer comme ça. Allez, on va commencer. On va faire 1 millionnaire, 1 mois à 10. Et hop, re-1 millionnaire, re-1 mois à 10. Et le méga goal pour la fin. C'est parti. Donc millionnaire, jeu 1. Il faut qu'on ait deux symboles identiques dans le même petit quartier. Deux couleurs, c'est parti. Et on a un diamant, une tirelire, une coccinelle. Ici, on a une étoile filante, un rubis, un dé. Là, on a un smiley, une perle, une couronne. Ici, nous avons un coffre, un soleil et un collier. Ensuite, on a une coupe, une bague, un as. Et en dernier, on a un parasol, un papillon et un palmier. C'est perdant. Oh, ok. Donc, c'est pas grave. Jeu 2, on continue. Il nous faut 200 identiques parmi les lingots d'or pour la remporter. Et nous avons 20 euros, 100 000, 150, 100, 50, 10, 10 000 et 1000. C'est perdant malheureusement. Et on continue avec le jeu 3 où il faut que le diamant soit plus lourd que le saphir. C'est parti. Nous avons 19 à 20, 18 à 24, 17 à 21. C'est perdant. Très bien. Et jeu 4, il nous faut le symbole euro pour remporter la somme associée. Et on a un parasol, une corne d'abondance, un bateau, un papillon, un collier et le symbole euro, les copains. Le millionnaire est officiellement gagnant à la toute fin de la vidéo. Le millionnaire est gagnant, ça fait plaisir, les copains. Et donc, du coup, on va découvrir le gain. Oh, j'ai trop envie de faire un petit suspense. J'ai trop envie. On va découvrir les sommes qu'il y a sous les symboles perdants pour deviner ce qu'il y a là, sous le petit sac gagnant, les copains. J'espère de tout cœur qu'on va avoir quelque chose de joli. Donc, on a 100 000, 20 euros. Ce n'est pas 20 euros, ce n'est pas 100, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 1000. Donc, c'est soit 10, soit 50, soit 150, les copains. Et verdict, c'est... Bon, bah c'est 10 euros. C'est déjà 7 prix, c'est remboursé. Ça fait plaisir, nous ne sommes absolument pas Fanny dans la vidéo, donc au revoir Fanny, salutations, bisous, bonne journée, ciao. Tu n'es pas la bienvenue dans cette petite vidéo. Et du coup, on continue avec le premier mot à 10 de la session. Il est là, c'est parti. On commence comme à notre habitude avec le jeu 2. Jeu 2, il faut qu'on gratte les mots gagnants et on regarde si on les a dans la grille du dessus. Si on les a, on remporte la somme associée. Et on a comme premier mot le mot criant. Donc, on va chercher criant. C'est parti. Chétif, non. Non, on ne l'a pas. Et deuxième mot, c'est le mot frère. Est-ce qu'on a frère? Donc, on cherche... Non, on n'a pas frère. Ok, bon bah c'est perdant. Il y avait 20 et 200. C'est pas grave. Et du coup, jeu 1 du mot croisé. C'est parti. On va découvrir les lettres gagnantes et essayer de faire un maximum de mots dans la grille. Et on a le A, le Y, le O, le U, le I, le D, le B, le H, le N, le Z, le F, le G, le T, le X, le J, le P, le M, le L, le S et le R. Très bien. Donc niveau voyelle, on les a toutes sauf le E, l'éternel porté disparu. Et du coup, on va barrer tous les mots qui comportent un E. C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de mots avec le U. Le E, pardon. Voilà. Bon, quand même quelques mots à contrôler. On va vérifier ça ensemble, pardon.
J'arrive plus à parler. On a arc, A-R. Et on n'a pas le C, c'est dommage. Donc, deux mots, trois, quatre mots qu'on barre, c'est dommage. Et on continue avec le mot villa. Villa. On n'a pas le V, tout va bien. Donc, veau, c'est mort. Et du coup, il nous reste que fin. F-I-N. Et c'est perdant. En ce qui concerne le jeu 1 du méga mot croisé, c'est pas grave. On continue avec le jeu 3. On va découvrir les lettres gagnantes. Et du coup, les lettres gagnantes. Si on fait un mot complet, on remporte la somme associée. C'est parti. Donc, on commence avec le G qu'on a dans le mot leg. D'accord. Le F de fête. Très bien. Réchaud, tardif, bronzé, non. Ici, on a le N de pain. Bronzé, réchaud, tardif. Ensuite, on a le B de bronzé. Le C de réchaud. Le V de tardive. Ah mince, je suis tombée sur une voyelle. Je voulais pas. C'est le A. Donc là, c'est les voyelles. Ici, normalement, il y a des consonnes. C'est le Z dans bronzé. Ici, on a le S de tardive. Ok. Allez, on continue. Est-ce que là, on a des voyelles? Oui, c'est le I, donc de pain. Tardive, réchaud, non. Donc là, normalement, c'est les consonnes. On a le R de réchaud. Bronzé. Tardive. Et dernière consonne, c'est le L de leg. Donc clairement, on peut gagner plusieurs fois. Donc on a la possibilité de gagner 100 euros si on a le O et le E. Si on a le E et le U, c'est 50 euros. Sinon, c'est mort. Et verdict. On a le O, les copains. Donc si on a le E, c'est 100 euros. Sinon, c'est mort. Et c'est le U, bien entendu. Voilà, donc c'est mort en ce qui concerne ce mot croisé à 10. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et on continue, les copains. On enchaîne avec le deuxième millionnaire qui est là. C'est parti. Et nous avons des doigts croisés, des pièces, un chaudron d'or. Ici, on a un coffre, un avion, une tirelire. Ici, on a une coupe, un dollar, un arc-en-ciel. Enfin, on a un fer à cheval, une perle, un collier. Ça porte à confusion. Un palmier, un parasol, un trèfle. Un lingot, une clé, un chapeau. C'est perdant. Ok. Jeu 2. Nous avons 150, 100. 50, 10 000. 100 000, 20. 1000 et 10. C'est perdant. Jeu 3. On a 25 à 29. 10 à 11. 7 à 8. C'est perdant. Et est-ce qu'on va avoir une deuxième fois le petit symbole euro? On a un parasol, un palmier, des lunettes, une étoile, un dollar et une coccinelle. C'est malheureusement perdant. Ce qui concerne ce millionnaire, c'est pas grave. On enchaîne avec le deuxième mot croisé à 10 qui est là. Et c'est parti. Hop. Premier mot du jeu 2, c'est le mot plié. Donc, on va chercher plié. C'est parti. Donc, plié, plié, preuve. Ok, c'est perdant. Et deuxième, c'est le mot idylle. On va chercher idylle, c'est parti. Non, on ne l'a pas. Il y avait, hop, comme montant, 10 et 200. C'est dommage. Et du coup, on continue avec le jeu 1. Et les lettres gagnantes, on a le C, le G, le F, le K, le W, le M, le T, le L, le V, le P, le N, le J, le R, le Z, le X, le D, le Y, le O, le U et le A. Donc, comme d'habitude, on n'a pas le E, l'éternel portée disparue, ni le I. Donc, tous les mots avec le E et le I sont perdants et nous allons les barrer. C'est parti.
Allez, il y a quelques mots à contrôler. On va regarder ça. On a banjo. Et bah, ça commence bien. On n'a pas le B. D'accord. Il y a d'autres mots avec le B. Non. Ok. Il nous reste tsar, T. On n'a pas le S. On n'a pas le S, les copains. Donc, wagon, c'est mort. Tsar, c'est mort. Suite, c'est mort. Il reste dot. Ben, D-O-T que l'on a. Et c'est perdant. C'est pas grave. Et du coup, jeu 3, c'est parti.